l'Éternel avec nos cris de joie. Servons l'Éternel avec nos cris de joie. Nous allons demander à notre présidente, Madame Sanou Hélène, de venir pour son discours. Sous vos acclamations. Révérend pasteur Job Dao, pasteur principal de l'église centrale. Président du district de Ouagadougou. Cher pasteur Benjamin Tamini. Cher pasteur Patrice Gama. Cher pasteur Bonzi Emmanuel. Chers anciens, chers membres du comité, Madame la marraine des femmes, distinguées sœurs invitées de l'Église, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. En ce jour du Seigneur où la femme est au cœur de toutes les intentions dans les églises de l'Alliance chrétienne du Burkina Faso, je suis dans la joie de m'adresser à tous au nom de toutes les femmes de notre assemblée pour vous souhaiter la bienvenue à la 25e journée de l'UFAC, dont le thème cette année est l'amour et l'humilité. Tiré de Proverbes 3, verset 34, Colossiens 3, verset 14. Chers frères et sœurs en Christ, ces versets nous interpellent tous et nous invitent à les mettre en pratique. Ce qui est un signe de notre obéissance à la parole et à la crainte de notre Dieu. En effet, par Jésus-Christ, Dieu nous a aimé et valorisé le premier. Donc nous nous exhortons donc à marcher chaque jour comme notre Seigneur l'ordonne dans ses versets. Et enfin que main dans la main, nous impactons le monde actuel en levant les défis qui se présentent en nous. Soyez tous renouvelés par cette parole du Dieu vivant. Durant les 12 mois passés, nous avons été édifiés à travers des activités spirituelles, économiques et sociales. Nous sommes également encouragés lors des épreuves difficiles qu'ont traversées certains frères et sœurs. J'invite mes sœurs à sortir davantage lors de nos rencontres mensuelles ou occasionnelles. Ces moments constituent des cadres d'échange et des occasions d'exercer nos différentes dons afin de les mettre en pratique dans la maison de notre Seigneur. Je m'en voudrais si je n'exprimais pas ma reconnaissance à notre Seigneur, aux responsables de l'Église, aux femmes de cette assemblée, pour leur soutien multiforme et leur participation aux activités de l'UFAC. À notre Seigneur, nous nous rendons toute la gloire et tout l'honneur par Jésus-Christ. Je termine mes propos en lançant un appel solennel à toutes les femmes.
surtout aux plus jeunes, à se joindre à leurs aînés et mamans, afin d'une bonne relève soit afin qu'une bonne relève soit assurée. Encore merci à nos frères spirituels, à toute l'Église qui nous accompagne chaque moment. Notre prière est que la célébration de cette journée soit belle pour la gloire de notre Seigneur. Bonne fête à toutes et à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soit avec nous tous. Je vous remercie. Merci à notre présidente, à notre maman pour son discours. Plein d'encouragement envers toutes les femmes. Nous allons inviter à présent notre marraine et notre maman Compaoré à venir pour son mot. Encore sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. On ne dirait pas que c'est une fête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Révérend pasteur Dao Job. Cher pasteur Tamini Benjamin, Gama Patrice, Bonzi Emmanuel, cher ancien et membre du comité de l'église, chers invités, chers frères et sœurs, bonjour. Je commencerai par remercier notre Seigneur, Jésus-Christ, pour les 25 années d'existence de l'UFAC. Un quart de siècle, ça se fête. Et je voudrais que vous acclamez le Seigneur pour un quart de siècle de l'UFAC. Merci. Ce matin, merci à nos pasteurs pour leur amour dans le travail. Ils nous aiment vraiment. Ils nous entourent, ils nous conseillent. Ils nous donnent la nourriture tous les jours. Ils veillent sur nos âmes. Merci à toutes les femmes pour leur engagement, leur persévérance, leur fidélité au sein de l'UFAC. Mes encouragements ce matin, sans nous répéter avec la présidente de l'UFAC, je voudrais vraiment inviter les femmes à aller de l'avant dans le service de Dieu, à œuvrer avec zèle, à être obéissante à Dieu et aux autorités, à mener les combats et à remporter les victoires pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, car la victoire lui appartient à lui seul. J'invite toutes les femmes à se lever pour vraiment s'engager dans le service de Dieu, à marcher dans l'humilité et la tolérance. Et comme la présidente l'a dit tantôt, l'UFAC est un réel cadre d'échange, de prière, de communion fraternelle pour nous. Nous ne pouvons pas nous sentir mieux ailleurs si nous n'assistons pas aux réunions de l'UFAC. À quelle réunion devons-nous assister alors? Si nous ne répondons pas oui aux invitations de l'UFAC, à quelle invitation devons-nous répondre oui? Si nous n'obéissons pas aux pasteurs de notre église, aux autorités, à qui d'autre devons-nous obéir? C'est un cri du cœur. J'interpelle chaque femme à examiner sa vie,
à faire un bilan de sa vie spirituelle devant le Seigneur et à avancer, à se lever. C'est un cadre de communion fraternelle. Il est bon pour des frères, des sœurs d'être ensemble. Servons notre Dieu de tout notre cœur, car la récompense vient de lui. Tenez-vous bien droit. Dieu récompensera. Il y aura une récompense. N'oubliez jamais cela. Bonne fête à toutes les femmes. Et que Dieu bénisse notre assemblée ce matin. Merci bien. UFAC. Sauvé pour servir. UFAC. Sauvé pour servir. Soyons obéissantes. Bidi sac de ba. À nos autorités et à nos mamans. Ton tordama la marama. Lévons-nous et servons notre Dieu comme notre slogan le dit. Il dit qu'il n'a pas avant tout mon compte ouin nama wa la tsunye le mama sawa. Soyons bénis. Nous allons demander à l'UFAC de se mettre en place pour leurs deux chants. Merci. Amen.
venir pour sa prestation pour un chant. L'église de Yédé se prépare également. Thank you.
Après cela, l'école de dimanche viendra pour sa prestation. Thank you.
nombreuses pour l'œuvre du Seigneur. Pour la part, soyez pleinement renouvelés au nom de Jésus. Nous allons à présent écouter nos jeunes sœurs pour leur prestation. Bye.
Alléluia. Amen. Comme vous l'avez entendu, le thème de ce jour, c'est l'honneur, l'amour et l'humilité. Le premier verset parle de, vient de Colossiens 3, le verset 14. Qui dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et le deuxième verset, Proverbe 3, verset 34, il se moque des moqueurs, mais fait grâce aux humbles. Nous allons essayer de définir ce que c'est que l'amour. L'amour, on peut le traduire ainsi, est un attachement absolu. D'origine spirituelle à notre Dieu et à notre prochain comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a recommandé. Et nous savons que l'amour est l'essence même de Dieu. Et cela est exprimé dans 1 Jean 4, 8. Et cet amour, le Seigneur nous démontre cet amour par ses interventions dans nos vies. Il nous donne des positions. Il nous donne de la promotion socio-professionnelle, le bonheur, la joie, la santé, la fécondité, etc. Maintenant, pour l'humilité, nous pouvons le traduire par que c'est un sentiment de notre petitesse. Qui nous pousse à ravaler toute espèce de hauteur ou d'orgueil. Donc, comme nous avons une idée de ce que c'est que l'amour et l'humilité, nous allons maintenant rentrer dans le message lui-même. Si nous lisons Colossiens 3 à partir du verset 12 à 14, il sent car Colossiens 7 verset chapitre 3 verset pile à vous pourrez le lire aisément à la maison. Et tu aimes car ma bourbour zakin. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous exhorte à la miséricorde. Zikangé tum tum da Paul qui dame titon ma nimban zoire. À la bonté. Né somnom. À l'humilité et à la douceur. La sik menga la beaucoup meng pour un. À la patience. À nous supporter les uns les autres, au pardon, mais ce qui est plus important, c'est l'amour. De quel amour s'agit-il? Il ne s'agit pas de l'amour du monde qui est conditionnel, mais de l'amour inconditionnel venant de Dieu. Dieu qui nous a lui-même racheté en acceptant livrer son fils pour nous. Dès notre conversion, nous naissons dans la famille de Dieu. Et dans cette famille, nous avons des frères et des sœurs avec lesquels nous hériterons le royaume des cieux. Pour cela, quels doivent être nos rapports avec nos frères et nos sœurs? Nous devons nous aimer les uns les autres. Et la Bible nous le recommande dans Romains 13, 8 à 10. La Rome sevra pila na sent zigwa 13:8-10. Rome pila tabo verset 9 titan piga que la chose que nous devons à nos frères et sœurs ti buninga ton son pordon ki de ki se babi por cela da pa. C'est l'amour. Ya non l'homme. Donc l'amour est une obligation. Non l'homme ya ti lai. C'est une dette. Ya samde que nous devons à nos frères et sœurs. Nous pouvons souligner cela également dans le mariage.
Que l'homme doit aimer sa femme. C'est une obligation. Et la femme doit être soumise à son époux. Cette soumission, c'est l'humilité qui découle de l'amour. Dans chaque aspect de notre vie, nous devons pratiquer l'amour venant de Dieu. Pas seulement envers les frères et sœurs de l'Église, mais envers chaque homme, créateur de Dieu, créature de Dieu. Et cet amour doit nous conduire à la conquête de nouvelles âmes pour le royaume de Dieu. Quelles sont les caractéristiques du véritable amour? L'amour dont il est question ici est le fruit de l'esprit qui doit guider nos actes et nos relations envers Dieu et surtout envers les membres de la communauté avec laquelle nous partageons une même aspiration à la sainteté chrétienne. Alors cet amour est patient, il est persévérant, il est apte à attendre quelque chose et à persévérer dans ses efforts sans nous lasser ni nous décourager, mais à rester tenace. L'amour est honnête. L'amour est honnête, elle ne joue pas la duplicité. Mm-hmm. Et elle n'est pas hypocrite. Car dans la parole de Dieu, Matthieu 23:13, les hypocrites n'hériteront pas du royaume des cieux. L'amour est désintéressé. Elle ne cherche pas un profit quelconque ou n'agit pas en espérant un retour d'ascenseur. Comme on le dit, il est pacifique. Il ne présente aucun caractère d'agressivité. Il a la paix. Il est la paix. Il pardonne. Il ne porte pas de faux témoignages. Il est humble. L'amour qui vient de Dieu est parfait en lui-même. Nous avons parlé d'amour fraternel. Qu'est-ce que c'est? C'est l'amour qui existe entre ceux qui sont nés de Dieu. C'est-à-dire ceux qui ont reçu Christ dans leur vie et qui ont été régénérés. Cet amour est plus grand et plus profond que l'amour entre frères de sang, car il va au-delà du sentiment charnel. C'est une force surnaturelle. Hébreux 13:1 dit que nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Comment allons-nous appliquer cet amour-là? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint que Dieu lui-même nous a donné. Dieu a fait sa part en nous envoyant son fils Jésus. Mais à cette question, pourquoi tant d'enfants de Dieu ayant le Saint-Esprit ne marchent pas dans l'amour? Au contraire, c'est la haine. La réponse est simple.
Il n'accepte pas le chemin de l'amour. Et ils ne sont pas vainqueurs également de l'épreuve de l'amour. Car nous savons que l'amour passe par des frustrations. Il passe par des humiliations. Il va à la croix. Passe par la tombe. Va dans le séjour des morts, mais ressuscite toujours vivant. C'est ce chemin que notre Seigneur Jésus-Christ a suivi. On ne demande pas d'aller mourir à la croix pour notre frère ou notre sœur. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est vraiment aimer notre prochain dans l'humilité. Alors, nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous sommes justes les uns envers les autres? Est-ce que nous sommes pacifiques ou coléreux? Sommes-nous serviables les uns envers les autres? Nous emportons-nous pour un rien? Aimons notre prochain comme nous-mêmes. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Car devant Dieu, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de favoritisme. Nous pouvons voir cela dans Galates 3, verset 28. Donc nous devons cesser de nous ériger en juges. Arrêtons de n'honorer que certaines personnes. Et gardons-nous de négliger ou mépriser ou ignorer qui que ce soit. Car autrement, nous nous mettons sous la condamnation de la loi de Dieu. Et c'est Jacques qui le dit dans chapitre 2, verset 9. Maintenant, nous allons voir quelques caractéristiques de l'humilité. Quand on parle d'humilité, sûrement c'est qu'il y a de l'orgueil. Donc ce sont deux sujets que l'on retrouve fréquemment côte à côte dans la parole de Dieu. Ils ressemblent étrangement à deux ennemis inséparables. C'est curieux, non? On est un, mais il y a l'orgueil qui est là. Donc pour nous qui sommes chrétiens, l'orgueil peut être un problème qui touche davantage ceux qui ne sont pas en Christ. Et nous aimons croire que nous sommes meilleurs qu'eux. La vraie humilité nous permet de réussir pleinement notre vie. Car rien ne peut retenir notre joie, notre paix et tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. La joie de Christ, Christ il s'est humilié, il est mort à la croix pour nous, et sa joie c'est de nous voir ce matin ensemble réunis en son nom pour le louer. Souvent il y a des gens qui se font passer inaperçus, ils font tout, et s'ils font cela, c'est pas parce qu'ils sont humbles, hein. C'est qu'à côté il y a l'orgueil. Et c'est souvent quand on est orgueilleux, on trouve que bon, se mettre à telle activité ou bien se mettre à tel endroit, en tout cas ça, moi je ne suis pas là-bas. Donc la véritable humilité provient d'une juste perception de soi.
et produit une capacité d'assumer ses forces et ses faiblesses. Conscient de ce qu'il est réellement, l'humble n'est pas chaque fois occupé à se défendre. Parce que quand on est orgueilleux, chaque fois on va trouver des excuses pour dire, ah voilà, c'est comme si, c'est comme ça, c'est pour cela que. Car le fait d'être humble, de reconnaître, cela nous procure une grande assurance dans la vie. L'humilité consiste également à se soumettre aux autres. À obéir et à servir. Nous soumettre, obéir à nos responsables. Dans nos services. Et être prêt à rendre service. C'est ce que Christ a fait dans Philippiens 2:8. Il est dit là-bas, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et nous voyons que dans l'Ancien Testament, Satan dans son orgueil fut jeté hors du ciel parce qu'il lui a manqué l'humilité, il voulait la place de Dieu. Si nous avons l'humilité, cela ne veut pas dire faiblesse. C'est une maîtrise d'une force dans un esprit de service qui triomphe des cœurs les plus durs. Quelle est la puissance de l'humilité? Elle nous prédispose au pardon, à la réconciliation. Jésus nous dit qu'avant de présenter nos offrandes à Dieu, si nous nous souvenons qu'un frère a quelque chose contre nous, il n'a pas dit si nous avons quelque chose contre le frère. Il dit d'aller nous réconcilier avec lui d'abord. Donc cette puissance de l'humilité procure le pardon et la réconciliation. Si nous n'avons pas d'humilité, ne serait-il possible d'aller vers ce frère-là, que nous ayons tort ou raison, parce que nous voulons une réconciliation, sachant que l'orgueil ou l'amour propre fait partie de la nature de l'homme? Nous pouvons voir un exemple d'humilité dans Luc chapitre 5, le verset 1 à 7. Luc, c'est vrai pour chapitre. Chapitre 5, verset 1 à 7. Chapitre 9, verset 1. Comment l'humilité peut nous conduire au miracle? En effet, Simon Pierre, en tant que grand pêcheur, qui a eu une expérience négative toute la nuit, par son humilité, a accepté de se soumettre à la parole de Jésus. Il lui avait dit de jeter son filet de tel côté de l'eau. Et nous voyons les résultats de son humilité et de son obéissance. C'est par l'humilité que nous pouvons recevoir les choses de la part de Dieu.
En effet, parmi nous, la yasida tonsuka se trouve des intellectuels tout faits. Des savants, des docteurs, des professeurs, des philosophes, tout ce que vous voulez. Mais seule l'humilité permet de capter les choses cachées que Dieu nous révèle. De la part de ses serviteurs qui le plus souvent ne sont pas de grands intellectuels. Il y en a qui sont intellectuels, il y en a aussi qui ne sont pas intellectuels, il y en a qui n'ont même pas fait l'école. Mais le Saint-Esprit, la source de l'intelligence qui dépasse tout entendement est sur eux. Je voudrais qu'ensemble nous acclamons le Seigneur pour son choix. Pour son choix des personnes, des serviteurs disponibles, disposés à recevoir de lui pour nous instruire, pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si nous nous contentons de nos titres et de nos diplômes, en se disant qu'est-ce que cet homme ou cette femme peut m'apprendre, nous allons passer à côté des bénédictions de Dieu. Dieu lui-même a horreur des orgueilleux. Il résiste aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, excusez. Mais fait grâce aux humbles. 1 Philippiens 5:5. L'humilité est faite d'une dépendance. Et d'une confiance totale de l'homme à son créateur, envers son créateur. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53:4-10, voilà. Nous voyons un modèle d'humilité qui est incarné par le mystérieux serviteur qui, par sa soumission jusqu'à la mort, a accompli le dessein de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quel lien y a-t-il entre l'amour et l'humilité? Nous allons terminer par là. L'humilité est une caractéristique de l'amour. L'amour est le plus grand de tous les commandements, comme l'a dit Jésus. Il est la clé d'une vie chrétienne victorieuse. Car il nous permet de nous supporter, de nous pardonner, d'être patients les uns envers les autres, d'honorer et de donner la considération aux autres. Donc pour terminer, ce que nous devons retenir, c'est que l'amour est une dette. Ne restez redevable de rien à personne. Sinon, que de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait toutes les exigences de la loi. Et nous trouvons cela dans Romains 13:8. Donc je rends grâce à Dieu
pour ce peu que j'ai eu pour vous. Et l'Esprit de Dieu va continuer à vous enseigner. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amina.